tourne les regards vers toi. On est rayonnant de joie. Et les visages ne bougent pas de honte. C'est toi mon espoir, Seigneur Jésus. Quand les soucis veulent m'envahir, quand les problèmes. Ils ont eu
Dieu a appelé l'homme. Et bien, ça m'a semblé bizarre. Ça m'a semblé. Et ça m'a demandé de comprendre quelque chose. Une révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Retournons les points d'arrière. La Bible dit au commencement, Dieu qui a échoué la terre, il a créé une forme de vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Donc, pour la Bible, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous, ça veut dire que l'Esprit de Dieu se déplace. Il se déplace. Se llama.
Au commencement, il y a la foi.
La voix de Dieu, la voix de Dieu avec Dieu. Et respire la vie sans cette foi. Et cette foi, la manifestation de l'esprit qui s'est fait chair et qui a pris par lui. Elle était la lumière du monde. Elle est venue parmi les saints et les saints l'ont pas renouvelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi, c'est l'esprit de Dieu qui s'est fait chair. Alléluia. Donc Jésus était la foi cachée, était l'esprit caché. Et son objectif était quoi? C'était de vivre sur la terre. Afin de racheter l'humanité du péché. Pour que le péché ne soit plus un homme, mais pour que l'homme soit un être qui puisse être cet être-là. Alors, je lui dis, frère, à toi. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Et c'est là que j'ai tout compris, mes frères. J'ai tout compris. Voici un homme qui a marché avec Jésus. Qui a fait de grandes choses avec Jésus. Au moins des petits frères. Qui a fait de grandes choses avec Jésus. Qui a fait des miracles extraordinaires. Est-ce que vous pensez qu'un maître ainsi peut être abandonné? Elle est avec toi, ma soeur, avec tous les miracles aussi. Elle est qui t'a donné la nourriture, qui a été comme un miracle. Elle est qui t'a suivi toute ta vie. Et bien, bonjour, il est dit. Il est avantageux pour toi. Et je m'en ai. Ça veut dire, il est bon pour toi que bonjour parti. Comment ça? Il dit parce que si tu ne m'en veux pas, la foi ne deviendra pas. Si je ne m'en veux pas, la foi ne deviendra pas. Alléluia! Parce que je suis cette foi qui était au commencement, mais qui s'est fait chair, et qui doit revenir, et qui doit revenir. Mais cette fois-ci, quand je reviendrai, je ne deviendrai plus en chair, mais je deviendrai en ma véritable nature, qui est la foi, qui est la foi de mon Dieu, comme le jardin, qui est l'esprit de Dieu. Je vais te dire quelque chose ce matin. Depuis que Christ est mort à la croix et que tu es convaincu à la vie de la reine, il y a quelque chose qui a pris pour toi. Il y a quelque chose qui t'a pris. Il y a quelque chose que je viens de dire en ce moment, ma femme. Et cette chose-là, tu ne peux pas la possibilité de vivre en 2016. C'est la foi de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Écoute, que l'homme te persécute, que l'homme se moque de toi, que l'homme dise de n'importe quoi de toi, mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui a pris en toi, qui t'a donné l'expérience de vie, qui t'a donné la capacité d'être un homme. Un nouveau homme renouvelé, restauré, manifesté devant la gloire de Dieu, qui est parlé à son année 2017. Et ces choses que ton corps te donnera la ressource de marquer, c'est la voix de Dieu. Et donc, tu veux te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un homme spécial, tu es une femme spéciale, mandaté par Dieu, pour changer son environnement, pour changer sa vie, pour changer sa destinée, pour changer les choses. Tu veux te dire quelque chose, tu veux te dire. Écoute, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit.
C'est quelle voix qui t'a mené? La voix du pigeon qui t'a aidé à faire ta vie. Tu ne quitteras pas ici sans l'esprit de Jésus.
soit les meilleurs. Recevez-la.